Et que pouette, pouette, pouette. Et que pouette, pouette, pouette. Oh putain, je suis tombée sur une playlist qui m'enjaille. Est-ce que je vous laisse avec ma petite musique? Comment ça va la tra? Comment ça va les autres trucs? Alors, keyboard. Paramètres, j'avais demandé plein écran. C'est chiant apparemment. Les configurations ne restent pas. Ok. Allons, on va baisser ça. Sur son propre jeu. Allez. Hop. Hop. Trop petit. Hop là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau catalogue indé sur Skulls of the Shogun, qui est un jeu paru le 29 juillet 2013, développé et édité par 17 bits. Ça fait beaucoup de bits quand même. C'est un jeu de stratégie tour par tour, humour. Apparemment, on peut y jouer à plusieurs. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Vu que c'est la 30e, on va faire un petit quelque chose de spécial comme tous les anniversaires entre guillemets. Donc aujourd'hui il n'y aura pas un mais deux giveaways et je vous ferai gagner ce petit jeu. Voilà, pour une fois je ferai un giveaway thématique. Ah, et je me brûle. Donc le mot magique à taper. C'est Skulls. Skulls, voilà. Tapez Skulls, du coup, dans le chat pour vous inscrire. Et Reliska. Et du coup, on se fait... Non, sans point d'exclamation, nom de Dieu de bordel. Et on se fait ça après. Alors, du coup, est-ce que cette petite chose se joue à la manette? Oui. Et bonsoir, Nounours. Nounours, j'aimerais bien que tu participes à celui-là, stop. On peut jouer en multi. On sait jamais si les gens de la Web TV le chopent. Ça peut être cool. Oh, tu te calmes. Je fais ce que je veux. Alors, comment jouer? Déplacement. Attaquer. Ordre. Unité. Drapeau. Hanté. Crâne. Moine. On n'a pas besoin de tuto. On est des oufs, nous. Ok, on va commencer par le mode campagne, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Champagne. Un général victorieux règne sur le champ de bataille. Convaincu qu'il deviendra enfin shogun, le souverain suprême du Japon, il a triomphé de tous ses ennemis. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. Ouais, ce soir, du coup, je fais gagner deux clés de ce jeu-là. S'il n'y a pas de rupture de stock sur Info Gaming d'ici 2 heures. Parce que forcément, je les ai pas encore achetés. Faut au pire, je les achèterai sur Steam, je m'en fous. Ah mon dieu, mais le moustachu est mort! Ah, c'est des zombies. Enfin, des squelettes. Skulls of Shogun. Très bien, oh, ok. Je suppose que nous naguivâmes fort 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 longtemps. Ok. Alors, commencez. Les unités qui sont sur une rizière ou un sanctuaire qui vous appartient au début de round récupère de PV. Ok. Ouais, je sais pas ce qu'il y a, Izoti. Ça fait ça sur plein de Discord, je sais pas ce qu'il a. Où suis-je? Suis-je? Mort? Allez, soldats!
La file pour rentrer dans l'au-delà est à droite, ne reste pas planté là. Un peu de respect, mon brave, je suis pas qu'un simple soldat, je suis le célèbre général Akamoto. Mais bien sûr, et moi je suis l'empereur poseur 4 du royaume magique des champignons. Fais la queue comme tout le monde ou tu le regretteras. Ok. Ah, ça se battait direct. Comment oses-tu m'attaquer? Sale renin, je vais t'apprendre. Hé, hey, Isuzu, ce type a riposté. Ah, ok. Hajime, fight! Ok, ordre. Attaquer. Oh, je l'ai défoncé. As-tu vu? Le petit nouveau a du talent. Il a dit que son nom était Akamoto. Il a une certaine noblesse et quelle belle moustache. L'autre n'en avait pas. Général Akamoto, attendez. Nous souhaiterions vous prêter allégeance. Ah d'accord, je vais gagner des gens. Oui, unissons nos forces. Tiens, où est passé mon deuxième katana? Hé hey! Oh, pas de recrutement. Cette fois, tu vas payer. Montre-lui ce dont tu es capable. Hususu. Alors, donne des ordres à vos unités à chaque round. Déplace-les ensuite et attaque les ennemis à portée. Ok. D'accord. Donc lui, donner ordre. Il va lui défoncer la gueule. Bam. Si l'unité actuelle peut encore bouger après avoir agi, choisissez maintenir position pour changer d'unité. Ok. D'accord. Comme je ne peux plus agir, je suis remis heureux de regagner mon... De regagner mon arme. Donner un ordre. Attaquer. Les dégâts infligés sont indiqués par les barres noires sur le drapeau. Ah oui, d'accord. D'accord, donc lui, il va faire un dégât. Coucou Egon, comment va? Ah non, deux de dégâts? Ah oui, non, l'autre lui fait un dégât. Ok. Pour terminer votre tour... Bah non, il y a lui encore... Ah, il peut pas! Oh, le con! Il pouvait pas aller plus près. LB. Merde. LB. Terminez votre tour, oui. Et coucou, Skurm! Oui, c'est l'anniversaire! On est au 30e épisode. Qu'aujourd'hui, je vous fais gagner 2 exemplaires de ce petit jeu. Donc, vous vous inscrivez en tapant Skulls S majuscule KU2LS dans le chat. Et les deux qui seront tirés au sort gagneront un exemplaire du jeu. C'est un jeu qui se joue en multi, donc ça peut être rigolo. Tu participes pour de vrai, Nours, ou t'as mis 2 I majuscules? Je me méfie maintenant. Heureux d'être à vos ordres, général. Dites-moi, à quoi sert cette file juste là? C'est la file qui mène aux 4 saisons de l'au-delà des glorieux. Venez, on va vous montrer. À sa mort, chaque samouraï doit faire la queue et être jugé. Ceux qui ont vécu une vie honorable peuvent franchir le portail de la première saison de l'au-delà. Hé, hey, qui vous a permis de porter vos couleurs terrestres? Changez-les sur le champ et retournez faire la queue. Le grand général Okama ne reçoit pas d'ordre, il les donne. Tu oserais donc t'opposer à ceux qui font régner l'ordre sur ce rivage? Ouais, ça va. Non, non, putain, mais je vous jure, je me suis senti con quand je me suis réveillée à 23h. J'étais là, je fais, oh putain. Mais je sais pas, j'ai mangé, je me suis posée devant Scorpion, là, ma petite série sur Netflix. Et je me suis endormie comme une merde. Je suis désolée. Ah, ils veulent nous gong-bang. Montre-leur ce qui arrive aux renins présomptueux. Hé, hey, Yoshi, essaie de rester hors de portée de leurs attaques. Ok. Donner ordre. Il peut bouger là, attaquer. Confirmer. Oh, je l'ai poussé! Oh, je l'ai tellement poussé! Vous avez trouvé l'effet de recul à votre avantage en le faisant tomber dans l'eau pour l'éliminer d'un coup. L'effet de recul? Ah, la ligne blanche qui brille lorsque j'attaque. D'accord. Oups, je devrais pas tout expliquer à haute voix. Très bien. Attends ici. Merde, comment change... Annuler le déplacement. Merde, comment... Non, pas encore. Je sais plus comment... Ah, c'est comme ça. Passer ordre. Oui.
passer ordre. Ah, lui peut aller là. Je peux lui faire les fesses, lui. Tiens! Ah, c'est bizarre. Oui. Ah ouais, viens attaquer mon général direct. Vas-y, comment je t'ai défoncé. Je mérite le respect que j'ai de tout temps inspiré. J'étais un général puissant, j'allais devenir shogun. Ne m'en parlez pas. On nous considère comme des moins que rien parce qu'on n'avait pas de maître de notre vivant. Oui, on nous traîne de sales renins et on nous empêche de faire la file. Regarde, elle est tout près. Ah, des yokai. On va se battre contre des yokai. Bienvenue au rivage des trépassés, guerriers défunts. La file pour accéder à l'au-delà des glorieux commence ici. J'espère que vous êtes patient. Temps d'attente approximatif 512 années. Comment, Nani? Et vous, là-bas? Depuis combien de temps faites-vous la queue? Je ne sais pas trop, 20 ans peut-être, à quelques années près. Mais c'est de la folie. Je veux recevoir mon ultime récompense immédiatement. À vos ordres, général, je dois partir. On dirait qu'il y a un fauteur de troupes dans la ligne. Vous feriez mieux de prendre la file, toi et ta bande de renins. Et que ça saute. Misérable vaurien, le général Akamoto ne s'abaissera jamais à faire la queue. C'est bizarre, je parlais justement au général. Comment? Et il m'a dit de guetter l'arrivée d'un imposteur. Nani? Garde, attrapez-le, c'est un imposteur. D'où je suis un imposteur. D'où. Enfin, une vraie bataille. Écrasez-les! Je vous crois, général Akamoto. Laissez-moi me joindre à vous. Ouais, j'en ai assez d'attendre. Je veux me battre, moi aussi. Très bien. Allez, venez. Ah. Ça s'en rit sur le moustachu. Allez. Voici l'unité choisie. Quoi? Ah, d'accord. Alors, j'ai des cavaliers, j'ai des fantassins. Envoyez-moi au front général, ma défense est sans pareil. D'accord. Ok. Là. On va les laisser devant, eux. Lorsque deux unités se tiennent côte à côte, elles créent automatiquement un mur spirituel pour faire obstacle à l'ennemi. Cool. Bon, on va même en mettre trois. Voilà. On va les laisser dans cet ordre. Quoi? Vous pouvez donner que 5 ordres par round? Ah, d'accord, ils peuvent donc pas tous bouger en fait. C'est ça l'idée? D'accord. Ah oui, du coup, vu qu'ils ont une super bonne défense, ça passe quoi. Le gars, il s'est fait mal tout seul. Ok. Essaie de retourner derrière moi à la fin de ton tour, les fantassins peuvent... Ok. Attaquer. Voilà, donc lui peut retourner là. Ok. D'accord. Je commence à comprendre. Paf. C'est le décès. Ah oui, j'ai pas vu les rouleaux de printemps qu'il y avait là-haut, là. Non. Un coup de bol, voilà tout. Vous croyez bien fort, hein? Ce n'est qu'une simple blessure. Ne pourriez-vous pas le faire taire? Il est déjà mort, général, même deux fois que nous pourrions nous faire. L'un de vous devra manger son crâne. C'est un ordre, manger son crâne! Quoi? Sérieusement? Manger le crâne? Il l'a mangé? Coucou Shinny, merci beaucoup pour le host. Bonjour à la Suisserie. C'est quoi ça, le heal? Chaque crâne rend 3 PV et peut augmenter les PV max. Ah d'accord, ok. À bouffer les potes, ça heal en fait. Ok, parfait. Très bien.
Ça a vite pris de l'ampleur. Oui, ça a rapidement dégénéré. Ne vous inquiétez pas, nos renforts arriveront bientôt. Débarrassons-nous de ces renins. Continuez à manger leurs crânes, nous en aurons besoin. Oui, donc là, c'est vraiment de la def, mais pas vraiment de l'attaque. Ok. À moi ! Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Alors, lui, il va aller là. Attaquer, attaquer. Attaquer, attaquer, oui, manger le crâne. Ah, je peux pas, lui peut pas le manger. Merde. Viens le manger, manger le crâne. Nom 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 nom. Attendre ici. Passer un ordre. Il va venir là. Il a dévoré son crâne, c'est une stratégie brutale mais efficace, n'est-ce pas? Une bordure orange indique que la cible... Quoi? Merde. 80%? Elle peut parer à 80% ou... Ah non, elle peut pas parer. D'accord. Ok. Mince, je n'ai pas eu le temps de manger son crâne. Ah, j'ai plus de PV. J'ai que 4 PV. D'accord, là j'ai plus que 2 PV. Les autres ils peuvent pas m'atteindre. Non. Faut que j'aille bouffer son crâne pour me redonner des PV. Mange-le. Oui. Nom 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 nom. Ça y est, il est bien là. Voilà. Alors. Toi, attaquer. Bim. Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Je suis un cannibale. Putain, lui, je vais le mettre là, là, qu'il vienne pas taper papa. Paf. Attendre ici, y'a qui que je peux bouger encore? Attaque, bim! Et je suppose qu'on va avoir des unités. Là, j'en vois. Y'en a qui ont des têtes de bite là-haut, là. Ça doit être des tanks, je sais pas. Ou des, peut-être des archers, quoique. Ouais, peut-être des archers en fait. Oh, le gars, il a fait le tour! Mais tu es fou! Tu vas décéder de décès. Oh! En voilà d'autres. Ici. Par ici, Général Akamoto. Quoi? Qui c'est qui m'appelle? C'est qui m'appelle? 5 PV. On va aller par là. Par contre, on va lui défoncer la gueule. Et par là. Elle décède. Merci. Bougez la caméra avec le stick. Ah, c'est par là. Non. Mais non, mais je vois pas. Ah, c'est un archer. Général, ne vous rendez pas compte. Ne vous rendez-vous pas compte de ce que vous faites. Ce massacre, c'est... C'est enivrant. Vous pouvez les exterminer. Je suis votre homme. Je les atteindrai facilement avec les attaques longue portée. C'est ça, c'est un archer. Parfait. Mais non, mais oui, attaque. Bien sûr que t'attaques. Allez! On va le mettre là. Il y a combien de PV là? Vas-y, mange. Mange un crâne.
Voilà, il va mieux comme ça. Paf. Je peux laisser leur petite tête derrière. Ah, mais il reste plus que les chapeaux. J'avais pas vu. Ok. Il reste leur petit chapeau. Oh, cette esquive magnifique. Bah oui, carrément. Bah oui, lui, il est mort. Voilà. Ça, c'est fait. Écoute... Ah oui, puis eux, ils avancent plus parce qu'ils sont à dos de canasson. 3 PV. Il lui reste quoi, lui? 5 PV. La tech d'une unité blessée qui ont 3 PV. Merde. J'ai pas. Oh, le 4, bim, hourra! Yatta, quoi, on a gagné. Bravo, général. Vous devriez voir ce que je peux accomplir avec 2 katanas. Continuons. Alors, d'accord. Ah, t'as des levels et tout? Ok. Alors attendez, première victoire aujourd'hui. Crâne d'or, total d'XP. Ok. 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 Niveau terminé sans perdre d'unité. Niveau terminé avec au moins 4 alliés toujours en vie. Niveau terminé avec au moins 2 démons alliés toujours en vie. Par contre, je ne sais pas. Et du coup, je vous propose qu'on continue le petit mode campagne et que, un peu avant la fin du live, on teste le mode multi, voir ce que ça donne. Le généraux sont des unités les plus importantes. Protéger le vôtre, éliminer. D'accord, ok. Ah ouais, donc limite, faudrait que le mien il reste en arrière, quoi. Archeron, je suis le général Akamoto. Rejoignez-vous à nous. Ouais, on va forcer le portail de l'au-delà et sortir de ces limites infernaux. Une bonne fois pour toutes, de ces larmes, pas de ces limites. Putain, ça y est, Jean-Michel dyslexie. Al, que faites-vous ici, misérable renin? Qu'est-ce qu'ils peuvent être casse-pieds? Laissez-moi vous aider à les éliminer, mais avec plaisir. Mais ils sont où les gens Bobby que j'avais? J'en avais d'autres des gens Bobby avec nous, là. Je vais attaquer cet ennemi de l'autre côté de l'eau, avec mon arc, il ne pourra pas riposter, bien sûr. Ah! T'as qu'une mine, hein, mais dégainé, celui-ci repostera. D'accord. Ah, ok. C'est parce qu'ils ont la lame dégainée qui riposte. Très bien. Hop là, et 2-1. Les gens Bobby sont des consommables. Ah! Non, il pourrait riposter. Oui, lui il ne ripostera pas. Oh là là, mais ce qu'on leur met! Unbelievable! Ah ouais, d'accord. Très bien. Moi j'essaye d'aller loin, bon, pas me faire zinguer, mais. Attends, mais il a combien de PV, Jean Bobby là? Paf! GG! Bien joué! Ils ne pourront plus nous insulter désormais. Nous comptons traverser le portail menant l'au-delà des glorieux. Pourquoi ne pas nous accompagner? Vous voulez dire que je pourrais enfin quitter cet endroit? Mon arc est vôtre! Atteignez l'objectif. Ce crâne a l'air délicieux, j'aimerais bien le manger. Ah, d'accord! Attends, toi t'as 6 PV, du coup on s'en fout. Pourquoi il est en feu, lui? Attends, parce que... Wow. Attendre ici. Si. Mais ils ont tous récupéré des PV. D'accord. Vas-y. Mange mon mulet. Attendre ici. Donner un ordre. Mange-le.
Parfait, attendre ici. Il est où? Donner un ordre. Non, je l'ai donc calmulé aussi. Parfait. D'accord, donc faut pas que j'oublie de les faire bouffer à chaque fois. Oh bah c'est quoi ça? Des chamans? N'oubliez pas, l'imposteur rouge prétendra être le général Akamoto. Essaye de manger trois crânes avec le même. Ok. Bah je vais les manger avec le même. Le vrai général Akamoto est furieux. Votre mission est d'éliminer l'imposteur et ses compagnons. À vos postes! Vous avez entendu, l'imposteur est vêtu de rouge et porte une curieuse moustache. Alors quelqu'un a usurpé mon identité et essaye de se débarrasser de moi? Il me le paiera. Je le mettrai en pièces, un os à la fois. Écoutez-moi, guerrier, je suis le vrai général Akamoto. Joignez-vous à moi. C'est l'imposteur à l'attaque! Ou périssez au combat! Fantassin, rassemblez-vous près de l'eau et formez un mur spirituel pour bloquer leurs flèches. Ok. Ils sont mes fantassins. Voilà, mur spirituel. Oh merde! Ah bah bien joué, non pas bien joué du tout là. It's not a good game. Mais non, j'ai fait un mur spirituel. Tout peut pas. J'ai spiritualisé le mur. Non! Faiblissez d'abord l'ennemi en attaquant à distance. Bah oui, 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 oui. Yes, but... moi je veux bien, mais... le monsieur, il m'a fait du mal. Est-ce que je peux manger la tête de mes potes? Ça, c'est intéressant, ça. Tiens! Je suis peut-être trop près, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il dégaine. Je suis pas trop... Oh le bâtard! Ah ouais! Ah ouais, ok, ok, ah ouais! Alors, on va aller là, donner un ordre, bim. Mais pourquoi il meurt pas? Voilà, lui meurt, parfait. Un PV. Voilà. Là. Et on va le mettre là, du coup. Et on va le mettre là. Non, bah mon archer! Et bim! Allez, parfait. Bim! Parfait. Yatara! Bravo! Alors, du coup, on a dit, toi, mange-lui le mulet. Bah... Je sais pas s'ils peuvent... Ah si, il peut tout... D'accord. Bah, je vais up à mort un de mes fantassins, là. Mangez trois crânes et transformez-vous en démon. D'accord! Ah, énorme! Monsieur, transforme en démon dorénavant, je pourrai agir deux fois plus souvent. Ah, énorme! Ok, cool! Merci, ce truc! Ah, vas-y, je veux transformer un de mes archers aussi en démon. Ah, c'est bon, ça! Ça, c'est très très bon! Oh là! Il y a du monde là, par contre.
Ils sont plus nombreux. Regardez, général, ces cavaliers au nord sont des cibles faciles. Que veux-tu dire par là? Les attaques des fantassons font reculer les ennemis plus loin. On ne nous appelle pas les cogneurs pour rien. Je parie que je pourrais faire tomber un ennemi dans l'eau d'un seul coup. Ok. Fantassin, direct. Archer, cavalier, cavalier, fantassin. Attaquer. Allez, dégage. Maintenant, occupe-toi des deux autres. Allez! Bah oui, il peut attaquer deux fois. Oh, c'est bon, ça. Oh, quelle étrange sensation. Qu'arriverait-il si je mangeais un autre crâne? Oui, le 13e crâne serait le bon. Mangez-en... Ah bah non, mais... Ne me mangez pas, je vous en supplie, j'ai très mauvais goût. Ah, mais par contre, mon archer, lui... Allez! Yeah! Un archer démon. Et bim! Les unités formant un mur spirituel sont immunisées contre l'effet de recul. D'accord. Allez! Mouah! Lui, il a un crâne. Mange-le. Je vais essayer de me faire une armée de démons. Ah, c'est leur général, ça. Ah non. Il est où, leur général? Ils n'ont pas de général? Et bim. Je veux que tout le monde mange des crânes. Mangez-en autant que vous pouvez. Gros, admirez ma forme démoniaque. Mais ta gueule, j'ai pas vu. Qu'est-ce que vous voulez dire, tout le monde? Tout le monde! Ok. Ah non, il peut pas. Bah oui, je suis con. Lui. Et bim! Kiki. Oh, il peut en manger encore? Ça fait quoi s'il en mange 4? On sait pas. Lâche, ils se dissimulent dans des bambous. Ils savent que nous aurons de la difficulté à les atteindre. D'accord. Oh non! Au secours, on attaque le général! Au secours! Oh la vache! Ouais, il a 12 PV! Ok, c'est bon ça! That's so good! Putain, tu vas là! Mange-lui le mulet! Allez! Ça, c'est trop bien! Bien! Ki. Oh merde! En soi, c'est moins bien par contre. Là, t'es un petit peu nul à chier, monsieur, quand même. Paf! Encore! Non. Encore. Et bim. Ok, c'est cool.
La victoire nous appartient. J'aime contempler les crânes de nos ennemis vaincus. Emportez-les. Mais le shogun des trépassés ranime tous les guerriers tués au combat chaque jour à l'aube, général. Nous serions entourés d'ennemis chaque matin. Voilà qui serait bien contrariant. Laissons-les ici, alors. En avant, le portail de l'au-delà ne doit pas être bien loin. D'en manger 6. Allez. I'm a reader. Je vais charger mes archers. Ah merde, j'ai pas lu du coup, c'était quoi le pitch? Oh, un nouveau champ de bataille. Vous pouvez recruter d'autres unités à partir de ce sanctuaire guerrier, général. Nous devons d'abord le hanter, bien entendu. Et il faudra faire une offrande de riz pour recruter de nouvelles unités. Les dieux exigent leur tribu. Allons hanter une rivière et récolter du riz. Et peut-être prendre une petite collation. Hey, n'y touche pas! Ok. Du coup, faut quoi? Faut que je les foute dans du riz? Hanter les rizières pour obtenir du riz, puis utiliser pour recruter des unités dans le sanctuaire guerrier. Parce qu'une unité hante un endroit, elle est sans défense et ne peut pas riposter. D'accord. On va la mettre là. Non mais là on va la faire avancer. J'ai ma barrière. Mouahaha, je suis l'ange de la mort, le jour du jugement est arrivé. Des argiles dissimulés dans des bambous. Ce ne sera pas du gâteau. Chaque round, vous récoltez 25 riz par rizière hantée et cependant 6 rounds. Vous n'avez pas à rester sur les rizières pour en faire la récolte. Mais les unités qui débutent leur tour récupèrent 2 PV. D'accord. Ok, donc on peut bouger quoi. Bien. Ah putain, saloperie quoi. Archer bambou. Bon, on va les laisser là. Hein. Bim! Allez! Je veux que tout le monde mange des crânes. Mangez-en autant que vous pouvez. Oui, tu nous l'as déjà dit, Jean-Bobby. Non, voilà. Allez, 3 PV. On va donc lui manger le mulet. Je peux pas... Allez!
Il sort d'où? Qu'est-ce que c'est, une potion? Oh, voilà, elle augmentera ton attaque et te rendra des PV. Je crois que ça suffit, mon gros. Je ne suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Putain, c'est Nours qui a fait les dialogues! Les potions rouges augmentent l'attaque de 2 points. Les potions vertes soignent en 1 point par round. Ok. Moi, je vais attaquer. Et paf! Kiki. Il va se planquer, ce fourbe. Reliska! Oh merde! Oui, c'est bon. Bah oui, ça va être Tawa. Allez, bim. Il se transforme, lui. Samouraï. Je suis un samouraï. Pourquoi je peux pas? Ça peut aller, c'est tout. Prenez commandement, capitaine. Je compte sur vous. Mais, général, ils mangent les crânes de nos guerriers. Cela les rend plus forts, nous ne sommes pas de taille contre eux. Vous pouvez le devenir. Vous n'avez qu'à manger leurs crânes, vous aussi. Général? Mangez leurs crânes, capitaine, ou je mangerai le vôtre. Ok. À vos ordres. Ils vont me manger. Était-ce Kurukawa? Kuruki? Lieutenant Kurukawa, il était mon bras droit de mon vivant. Mais c'est impossible, il était toujours en vie quand j'ai rendu l'âme. Je suis certain qu'il parcourt toujours le monde à la recherche du traître qui m'a poignardé dans le dos. Vous savez en toute raison, même s'il avait péri lui aussi, il n'aurait jamais pu arriver ici avant vous. Ah merde. Vous avez hanté le sanctuaire, vous pourriez y recruter des fantassins, des cavaliers, des archers avec du riz. S'il vous en reste, vous pouvez donner des ordres à une unité dès que vous la recrutez. D'accord. Choisissez un sanctuaire guerrier pour recruter une unité. Donnez un ordre. Mais non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. D'accord. J'ai 200 riz. Vas-y. Ok. Non, c'est pas lui que je veux. Qu'on a dit 6 crânes. Je vais tenter le 6 crânes. Ah merde, je peux plus donner d'ordre. Ah, au secours! Dans tes chicots, tu peux pas te défendre. Ah, ah, ah.
Il y a combien? Allez, fais du 3. Oh oui. Oh le bâtard. Non, tu es nul. Et bim. Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Et bim. Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Oh non, il va se faire mon archer. Oh le bâtard. Alors, est-ce que ça fait quelque chose si crâne? Manger, oui. Je suis à 6. Ça fait rien. Ça fait rien, on m'a menti. Au secours. Bon bah ça fait rien Isotruc, si crâne. Par gâcher des crânes, ça fait rien. Au fait. Oh non! Il va me manger! Il va me manger! Ah non. Pourquoi il honte, il est con? Ah oui, il peut pas se défendre s'il fait ça. En avant, le portail de l'au-delà des glorieux nous attend. Ah bah non, mais j'ai pas tout mangé. Ah bah non, mais c'est fini. Ok. Doudoudoudou. Mais il est cool ce jeu, en vrai. Je répète pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à écrire Skulls, S majuscule K-U-2-L-S dans le chat. Ce sera double tirage au sort ce soir et les deux tirés au sort gagneront le jeu. Voilà. Non, 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 non. Astuce, vous pouvez défier vos amis et des adversaires d'un dans Skulls Honeywell. Essayez. Ah d'accord, il m'envoie direct le faire en fait. Ok. Bah match en ligne. Partie rapide. Bon, on va rechercher un match. Ça va matcher. Aujourd'hui, Isotti? Il en a fait une il n'y a pas longtemps là. Y'a personne. Match en différé. Plaît-il? Ouais, renvoie les tours des dieux. Ah, sur le bazar. Merzon, il veut jouer avec moi. Et du coup, profil. Emblème. J'ai gagné des emblèmes normalement. Ouais. Voilà. Campagne, continuez. Continuez. Le cercle intérieur se rétrécit au fur et à mesure qu'une unité se déplace. Il indique la distance au sens. Ah, on arrive en haut de la porte. Le portail de l'au-delà, nous y sommes enfin. C'est à nous de décider qui peut passer, n'est-ce pas, mon frère de droite? Tu as parfaitement raison, mon frère de gauche. Et nous jugerons d'abord ceux qui ont fait la file. Bien dit, mon frère de droite. Bon, la tête de la file est à gauche. Oh là. Que se passe-t-il? Kurokawa, lieutenant Kurokawa, je le savais que je n'avais pas rêvé. Psst, c'est le général de l'hiver. La dernière saison de l'au-delà est glorieuse. De quoi parlez-vous, étranger? Je suis le
Je suis le célèbre général Akamoto. Vous devez me confondre avec Kurokawa, un homme charmant et astucieux au demeurant. Mais qu'est-ce que mon deuxième katana? Où l'as-tu trouvé? Oh, celui-là, je l'ai trouvé près du corps de mon ancien commandant, après avoir poignardé cet imbécile dans le dos. Oh, le bâtard! Alors, c'était toi! J'ai peut-être trébuché et je me suis empalé sur ma lance quelques instants plus tard, mais ce n'est pas important. L'important, c'est que je couvre maintenant le royaume des morts. Auriez-vous oublié le shogun? Non seulement tu m'as assassiné, mais tu as aussi volé mon katana et usurpé mon nom. Et je te tuerai de nouveau s'il le faut. Misérable traître! Chouette un combat! Merci Nounours! Allez! Soyons prudents, général Kurosawa est bien protégé. Le lâche se tapit derrière ses hommes. Je crois que cela lui permet de méditer. Ses PV augmentent à chaque round jusqu'à ce qu'il arrête de méditer. Ah d'accord. Seuls les généraux peuvent méditer au début d'un combat. Ils le font automatiquement. Je tiendrai compte de vos mots bleus. Occupez-vous de ces troupes pendant que je médite. Merci Aegon pour le host, c'est très gentil. Ok, lui aussi va méditer. Un général ajoute un PV par rune à ses PV max lorsqu'il médite. Très bien. Alors, bah bien entendu, on va partir... Faut qu'on tue des gens, hein, on n'a pas le choix. Voilà. Il a plus de PV normalement. De PV. Oh là là, mais quelle merde. Il fait même pas de PV. T'es nul. Nul, Jean-Bobby, nul. Vas-y, tue-le. Voilà. Non. Protégez le shogun. Le shogun Gunya. Putain, il a plus qu'un PV, le con. Ah! Ok, c'est le game over. Très bien. Très bien. Gui. Oui, j'ai déjà entendu tout ça. J'ai déjà entendu! Ouais, j'ai ripé, ça va. Je pensais que je pouvais avancer, mais c'était pas une bonne idée. On va les laisser venir, du coup. On va attendre que ce soit eux qui viennent. Venez. Hajime. Ouais, vas-y, fais ta life. Oui, moi aussi, je vais méditer. Venez, jeune brigand. D'accord, en fait, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Il veut me manger. Ok. Du coup, lui fait sa life. Très bien. On va revenir. Il reste combien de PV à lui? Oh, je te défonce, moi. Tiens, moi aussi je peux le faire. Kunar. On va avoir des morts, mais je m'en fous. Il a pas bougé. Oh mais non! Il m'a mangé!
Non! Mais pourquoi il a rien fait? Oh! Oh! Ok. Ça va ch... Ça va ch... Ça va ch... Mais t'es qui, toi? Ok. Combien de PV? 6, 6, 5, 8, 5, 8. Bon. Toi, tu dégages. Allez, décède. Merci. J'en ai aucun qu'à manger, là, déjà? Il y a un truc à bouffer, là, qu'on soit bien d'accord. Il y avait une tête. Il y avait totalement une tête à manger. Pourquoi ils ont pas mangé? Voilà, toi tu dégages. Merci. Merde, je suis pas protégée du tout sur le côté. Ah ouais, d'accord, c'est un healer. Ok, je suis scandalisée. Attends, il peut manger les têtes de ses potes? Non. Il faut que je les mange, hein. Voilà, il faut que je les mange. Ah d'accord, il m'a mangé. Le shogun m'a mangé, au secours! Mais il médite encore, ce con? Faut arrêter de méditer, là. 6-6. C'est ça que je veux kill. Lui, il est chiant. Mais je vais te défoncer, moi. Allez, décède. Arrêter de méditer là, il faut arrêter de méditer totalement là. Qu'il se passe des choses. Je vais aller me mettre là. Ouais. Ok. Il va aller me manger. Ah le bâtard! Arrêtez de me manger! I'm not good in my life. Non mais ça va, oui, d'attaquer 1 500 000 fois, là. Toi, tu vas lui manger le mulet, là. Vas-y. Ouais, tu récupères des PV comme ça, c'est très bien. Attaquer. Mais il n'a pas assez de PV. Voilà. C'est ça, qu'est-ce qu'on veut?
Il a 8-8. Comment ça, aucune cible? Il y a combien lui? 5-6. On va leur manger le mulet et Athos. Oh non, il se transforme. Merde. Ah, il a un général infernal. Non. Elle pue cette game. Non, ne me mangez pas. Non, ne me mangez pas. Ok. Il en a qu'un. Il a combien lui? Mais c'est pas lui que je voulais que t'attaques! Mais quel connard! Je voulais que t'attaques l'archer! Putain de patate! Mange-lui le mulet! Oh là 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 là! Ah, tu peux manger les crânes quand c'est comme ça. Ok! Il a un général shogunais. Non! Je vais perdre! Non! C'est un scandale! Au secours! Au secours! Ouais. Moi aussi je peux le faire, tu me fais pas peur, ok? C'est le caca. Bah oui, soigne-toi, t'as raison. T'en avais besoin. Ya! 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 Même pas mal! Mais d'où tu manges quel crâne? Il était où ce crâne? Where is this crâne? Le mec il trouve des crânes, on sait pas d'où ils viennent. What the fuck? Tiens, dégage toi, t'es mort. Ouais. Toi, tu vas manger son crâne. Non! Mange-lui le mulet. Voilà, et transforme-toi. Tintintintin. Tintintintintintin. Et mange-lui encore le mulet. Faut que tu récupères des PV parce qu'on n'est pas bien dans notre vie, là. Voilà. Non! Mais faut arrêter de manger, monsieur! T'as trop de PV! Ah! Mais d'où le mec il a 1 million. Il peut jouer 1 million de fois en fait! Doudoudoudoudoudoudou! Oh putain de merde! Je suis seul au monde!
Ouais, mange, mange, mange. Voilà. Ah oh, putain, je peux pas. C'est de la merde. Voilà, lui va lui manger le mulet. Paf, paf, paf. Il peut attaquer deux fois. Ma vie est nulle. M'arrêtez de manger. Voilà, meurs dans d'atroces souffrances. Nom 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 nom. Ah! Il l'a mangé! Au secours! Mais quoi? Mais pourquoi le mec il peut attaquer un million de fois? C'est pas juste! Et je suis mourue! Il me tue! C'est fini. Non. Bon. Voulez-vous essayer un niveau de difficulté facile? Vous pouvez aussi changer de difficulté. Mais ta mère! Je veux pas commencer avec un autre truc de difficulté! Je vais gagner! Ok, suffit maintenant! J'en ai marre! Même le jeu il me traite de noob! C'est scandaleux! Vas-y. Ouais, t'inquiète. Life is life, la. C'est pas lui que je veux. Je vais faire comme ils avaient fait là, c'était bien. Et paf, pas d'archer. Bim. Ah. Non! Ma technique était géniale. Pourquoi a-t-il fallu que tu fails? Cavalier de merde. Tu peux aller là? T'as une dernière chance. Allez! Oui! Voilà. Ça dit quoi maintenant? Kiki. Kiki. Ok, d'accord, tu me tues aussi mes archers, cette bonne guerre. Tu me manges le mulet, très bien, j'accepte. Alors... Il va manger le crâne, oui. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Toi, tu vas attaquer. En fait, t'as regardé un peu des gameplays de Ni no Kuni. Ouais, j'ai regardé vite fait, mais vraiment pas trop, parce que du peu que j'en ai vu, ça a l'air trop de la balle, et je veux pas me spoil, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Dès que je rentre du Japon, c'est clairement le jeu qu'on se fait direct, quoi. Non, il s'est réveillé.
Pardon. Comme ça. Bah, c'est un système dynamique, c'est pas ce que je préfère. Clairement, moi, je préfère le tour par tour, mais après, ça m'empêchera pas d'apprécier le jeu. Mais oui, après, effectivement, je suis pas hyper fan du combat dynamique. C'est un fait. Ouais. Bah au niveau de... Oui, au niveau des combats, clairement. Hein. C'est ça. Si. Ouais, juste au niveau des combats. Oui, c'est le principe du combat dynamique. Encore une fois, je suis pas hyper fan, mais... On est mieux parti là déjà. Je vais le défoncer, lui il m'énerve. Tu me vénères! Et bim. Venir bouffer le truc là. Oh là là, le relou. Ah d'accord. Il va le manger, il se transforme. Parfait. Mais d'où tu peux jouer encore, toi? Dégage. Suffit maintenant. Ça c'est insupportable. Le truc ça fait 1. Je comprends pas. J'ai vraiment pas de bol de ouf, hein. L'autre va le soigner derrière, ça me rend ouf. Voilà, ah non, il se soigne lui, ok. Lui, il me tue. Très bien. Il va aller bouffer un crâne. Non, il va... Bah, très bien. C'est encore mieux. Je te déteste. Il
J'essaye de le up un peu là parce que. Il va le heal. Quel connard. 10, je peux faire quoi avec 10? Je peux l'avoir ou pas? T'as refait tes stuff? 2. Allez, tu peux attaquer encore, vas-y! Oh mais genre, il fait 2 quoi! Mais putain! Ma main! Ah, je vais récupérer son deuxième katana. Ah, il s'est barré. Oh, j'allais dire, mais ce jeu se fout de ma gueule, hein. Oui, nous avons été séparés pendant bien longtemps. Quelle joie de se retrouver après tout ce temps. Oui! Vous pourrez désormais agir 2 fois plus par round. Ah, mais c'est parce qu'il avait 2 katanas, d'accord. Je veux dire, putain, mais le mec, il attaque 1 million, quoi, de fois. 1 million de fois. Quelle puissance, mon frère de droite. Et quelle stratégie ambitieuse, mon frère de gauche. Nous sommes convaincus que vous méritez d'entrer dans l'au-delà, n'est-ce pas, mon frère de droite? Oui, mon frère de gauche, toutefois, vous devrez traverser l'au-delà pour trouver Kurokawa. Ou qu'il se casse, je le retrouverai et je me vengerai. Ma vengeance sera terrible. Je peux avoir un autographe? Les mecs, ils sont trop fans. Allez. Bonne sera. Très bien. Oui, d'accord. Ah la vache! Ah ouais, il y a quand même de quoi faire en fait dans le jeu. Trop cool. Je suis toujours en recherche de match. Hein. Par contre... le PVP ou le multi, en tout cas, pas l'air d'être ça. Oh, des tamouraïs, Bandour. Oh, 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 ah, ah, ah. Qui aurait cru abattre un arbre pouvait être aussi amusant. Avec ses branches, on pourra bloquer le chemin et rendre une embuscade à l'imposteur. J'ai vraiment hâte de voir sa tête quand il tombera dans notre piège. Je vais lui arracher sa fausse moustache. Coucou. Oh, oups. Vous avez sauvé mon cerisier, je vous remercie du fond du cœur, ma verrerie. Je suis Sakura, l'esprit gardien du royaume de l'éternelle floraison. Je vous aiderai dans votre quête. Je vous en prie, noble demoiselle. Toutefois, il ne serait pas bien séant que vous combattiez. Oh, comme vous êtes mignon. Non, la violence n'est pas mon fort, mais je peux vous être utile. Si vous hantez un sanctuaire renard, vous obtiendrez un moine renard. Les moines renards sont des mâches qui peuvent soigner leurs alliés. Mais soyez prudent, si l'ennemi hante votre sanctuaire, vous perdez votre moine renard. Mille merci, Sakura. Votre soutien me sera précieux. À bientôt, j'espère. Oh, oh, je crois que vous êtes à son goût, chef. Baliverne, elle. Assez discuté, en avant-marche. Encore des sous-fifres violets. Écartez-vous, vous le regretterez. Comment ont-ils survécu à l'embuscade? Halt, je suis le général Romoka, le souverain de ce royaume. Rendez-vous immédiatement. Enfin, un ennemi qui en vaut la peine. Je dévorerai votre crâne en dernier. Hajime, fight! Ok. Ah oui, le sanctuaire, il est là. Ok. Ah oui, mais non. Parce que j'ai pas de fleurs de cerisier, donc ça sert à rien. Enfin, de fleurs de cerisier, de trucs de riz, là. C'est ça. Ah, il est en direct le sanctuaire, lui. Ok.
très bien. Oui, ils ont pas de quoi se protéger. Arrête de vouloir hanter, je vais attaquer. Oh là là, trop de balles. Ok, le mec il passe comme ça, dans le plus grand des calmes. Très bien. Je vois. Pourquoi il peut pas hanter? Parce qu'il est là lui. Pourquoi je peux pas... Papa ? Non mais bah... On va manger une mulet. Voilà, puisque c'est comme ça. Non... Attaquer... Papa... Oh merde. Tant pis. Ah d'accord. On va lui bouffer, voilà. Très bien. Mais il est là-bas, le sanctuaire renard. Putain. Ah, mais j'ai plus mes trucs. Ça va vite, ça va vite. Ah, hé. Comment osez-vous? Ne savez-vous pas qui je suis? Mon maître, le grand général Akamoto, est le commandant des armées de l'au-delà.
Je suis le vrai général Akamoto, l'homme dont vous parlez est mon traître de lieutenant Kurokawa. Comment ? Je refuse d'y croire, mon maître est noble et courageux, c'est un guerrier renommé. Ce n'est qu'un traître, ce n'est qu'un traîneur de sabre. Vous paierez pour vos calomnies. C'est pas lui que je voulais attaquer, putain de bordel de patate. Ah. Et pourquoi je peux pas recruter quelqu'un? Pourquoi je peux pas? Pourquoi lui il peut recruter des gens et moi je peux pas? Je comprends pas. Comment lui il a pu recruter des gens? Moi je peux pas recruter des gens. Info, ce sanctuaire permet de... Bah oui. Ah, recruter. Bah voilà. Ah. Oh. Pénible. Ah d'accord. Bon allez, je pense qu'on fera le tirage au sort après... après cette phase-là. Oh, les patates. Il y en a deux que je peux aller chercher là-bas. Ah, tu veux te battre? Je vais te défoncer, moi. Voilà, c'est fait. Recruter. Allez, moi je recrute des gens, je m'en bats les couilles. Mais non, manger, manger. Mais pas hanter, je voulais manger, mais... Je crois que ce jeu me déteste. Mais bien sûr, Salt. Bien sûr que je suis salé. Voilà. Voilà, bah oui. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais meurs sérieux, connard. Ça me saoule. Voilà. Annie là, t'as me vénère. Voilà. Voilà. Je savais bien que vous êtes, c'est le vrai Akamoto, vous êtes si valeureux. Vous êtes bien aimable, Sakura. Votre route sera parsemée d'obstacles, mais je sais que vous arriverez à vaincre Kurokawa. Au revoir, noble guerrier. Ce bougre de Kurokawa a donc réussi à convaincre tout l'au-delà qu'il n'était moi, pas Sakura. Elle n'a pas été dupe. On se demande bien pourquoi. Ce n'est pas... c'est discuté. En avant, on marche. Bon allez, il est 33. On a le temps d'en faire un last. Après, on arrête pour de vrai. Et je fais le tirage au sort. Oh putain, il y a plein de monde là par contre. Oui, donc le général Romeka, il avait pourtant dû être réanimé à l'aube avec le reste de ses troupes. Aurait-il déjà abandonné? Je croyais pas qu'il était aussi lâche. Fouf, il était en train de mettre au point un plan génial pour vous arrêter. Bien sûr. Bon, nous avons beaucoup de chemin à faire. Soldats, dépêchez-vous de traverser le pont.
Hourra, enfin un objectif différent. Ouais, mais faut qu'on les défonce avant de traverser le pont, non? Quand même. Là-bas, c'est quoi qu'on a? Un archer. Bon, on va aller par là. Oh bah, lol, ok. Merde. Chut, mais d'où vient ce bruit? Oh merde! Oh oh oh, ces utions sont tombés dans notre embuscade, écrasez-les! Vous regretterez d'avoir essayé de voler la petite amie du chef. Mais qui vous voulez dire Sakura? Sakura est la petite amie de cet imbécile! Oui, il y a une boucle de ses cheveux. Il a une boucle de ses cheveux. Oh, et quel bout d'ongle aussi. Et quelques bouts d'ongle aussi. Mais c'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse ce que tu dis là, Jean-Bobby. Sakura, la chasseuse de cartes, je n'y crois pas. On va la tenter, hein, mais je suis pas sûre celle-là pour le coup quand même. Hein, bon. Je vais faire en accéléré parce qu'ils ont beaucoup trop d'unités. Je pensais que ça allait être une petite game, bah, en fait, comme toutes celles d'avant, mais il y a un peu beaucoup de monde là quand même. Il y va là, lui. Ah putain, j'avais pas fini de le hanter. Lol. La belaille. Encore ? Ah ouais, faut vraiment qu'on traverse le pont, en fait. C'est pas genre juste... ok. Recruter. Ah ouais, il me faut complètement ça. Faut vraiment que je passe le pont, en fait. Et dégage toi, merci.
Ah merde, j'avais oublié lui. Allez, je passe en mode Super Saiyan. YOLO. Ouais. Moi, oublier de manger. Certainement pas. Hop. Hop. Oui, mais plus, toujours plus, Annie. Je peux pas recruter. Attaquer. Admettons. Très bien. C'est pour vous, hein. Mort and mort spectacle, voyez. Oh putain, mais il y en a partout. Bon, je vais peut-être pas finir ce niveau aujourd'hui, en fait. Un petit peu compliqué. Nous allons faire un sac à PV. Voilà, ça, ça dégage. Attends, il est mort mon pote là? Non, pas du tout. Super. Hubert. La merde! Ils vont tuer mon shogun. Non! Mon shogun Gunya! Oh! Il a plus que 2 PV le con. C'est horrible. C'est horrible. Oh, il n'y a plus qu'un PV. T'es horrible. Au secours. Mange-lui le mulet. On va finir sur un petit wipe. Magnifique. Allez hop. Ah. Non. Voilà. Moi je vais le garder sous le coude ce petit jeu. Il est drôle. Allez, du coup je fais le tirage au sort pour le giveaway. Personne d'autre veut participer? Faites de la peine, vous êtes que 3. Lol.
Allez. Alors, premier winner, Latra. Deuxième winner, Isotti. GG à vous deux. Hop. Hop. Je vous envoie ça dans 2 minutes. Voilà. Je fais de l'achat de jeu en direct. On est hop. Quitter. On va remettre la musique. Alors, ne quittez pas. Hop, alors, la tra, chuchoter. Voici ta clé la tra. Et je vous en prie. Tiens, puis vu que c'est plus sympa qu'un fond noir, je vous balance sur la plaie de fin. Ne quitte pas, deuxième. Hop. Ne quittez pas, monsieur Isotruc. Ah merde, c'est pas le bon code. Faut ma gueule. Comment ça, je peux avoir des esprits? Ah mais en fait, je peux... C'est tout bon? Ok. Bah Isotti, je suis désolée, mais ça bug. Du coup, t'auras le... Non, c'est pas une histoire de découverte, c'est que du coup, je me suis trompée apparemment dans le code. Il me dit que je peux essayer... Je peux essayer que 3 fois par jour. Du coup, bah, je te filerai le tien plus tard. Mais je te filerai le tien. Tu l'auras demain. Je vais essayer, mais... Ouais, c'est ça. Putain, mais ils font chier. En fait, ils me demandent une vérification PayPal. Mais la vérification PayPal, je peux la faire que 3 fois par jour. Bon, là, je l'ai fait que 2 fois en l'occurrence. Donc, du coup, il ne veut pas que j'en fasse plus. Donc, bah écoute, je garde ça et je te filerai le tien demain, vu qu'il faut 24 heures. Voilà, t'auras ton giveaway à retardement, mais tu l'auras quand même, promis.
Ouais, je sais, streameuse professionnelle, tout ça, tout ça. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Enfin, quoi qu'il en soit, du coup, aujourd'hui, je vous ai donc présenté Skulls of the Shogun, un jeu du 29 juillet 2013, développé et édité par 17 Beta Strategy, tour par tour, humour. Mytho de quoi? Faut que je te fasse une capture d'écran, Isotif. Enfin, je m'amuserais pas à dire ça si c'était pas vrai. En fait. Enfin bon. Valou, du coup je vous fais le bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Isotite, t'auras ta clé, mytho ou pas mytho, je m'en bats les couilles à la limite de ce que tu penses de ce côté-là. Je tiens mes engagements, j'ai jamais fait de quenelle à qui que ce soit. Bon là ça veut pas, ça veut pas. Mais life is life, la 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 la. Sur ce, je vous fais un bisou puis je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures. Le bisou.